Il y a deux sujets qui me passionnent, c'est l'autisme et la psychose ordinaire. Alors là, je vais plutôt vous parler de l'autre, c'est la psychose ordinaire, la psychose quand il n'y a ni délire, ni hallucination, et parfois des phénomènes psychosomatiques, comme dans le cas dont je vais vous parler ce soir, phénomènes psychosomatiques qui sont quand même assez souvent corrélés à la structure psychotique, même... Ce n'est pas nécessairement le cas, bien sûr, ce n'est pas toujours vrai. Alors, je vais vous parler de Zorn, Fritz Zorn, je ne sais pas si vous le connaissez. Il était très connu à une époque, pour les gens, disons, de ma génération, il est connu, pour d'autres, il l'est peut-être moins. Ça a été un succès littéraire dans les années 70. Pourquoi Zorn? Eh bien, parce que je considère que c'est vraiment un document... clinique qui est à peu près qu'on pourrait comparer à Schreber pour la psychose déclenchée, Zorn pour la psychose non déclenchée, pour la psychose ordinaire, c'est vraiment un document de premier rang. Alors on ne peut pas tout à fait le comparer à Schreber parce que la psychose ordinaire est d'une telle variété, est encore plus a des formes cliniques encore plus variées que la psychose déclenchée. Donc tous, par exemple, on pense entrer les choses sur un phénomène psychosomatique. Donc c'est un document exceptionnel, mais insuffisant en lui-même à éclairer toute la clinique complexe de la psychose ordinaire, mais qui en éclaire un aspect de manière tout à fait remarquable. Alors Zorn constitue le pseudonyme littéraire utilisé par Fritz Angst, Angst A-N-G-S-T, qui signifie angoisse en allemand. Angst est né à Zurich en 1944 et il est mort dans cette même ville en 1976. Mars, l'ouvrage qui l'a rendu célèbre, les deux poches, Fritz Zorn, Mars, cet ouvrage est une publication posthume. Il s'y présente comme l'anatomiste de son propre cas. Son travail repose sur une tentative d'écrire et de comprendre son malheur, finalement localisé dans un lymphome malin, dont il apprend l'existence début 1974 et qui l'emporte 2 ans plus tard. Hans s'avance résolument comme objet. Il se veut en tant que cas. Il se considère comme un représentant exemplaire de la maladie de sa société, de sorte que son ouvrage constitue une dénonciation de celle-ci. La société bourgeoise y est présentée comme un Moloch qui dévore ses propres enfants. L'une des lectures majeures faites de Marx, sur laquelle s'est fondée pour une part son succès littéraire, s'articule sur une prise à la lettre de son affirmation « Je suis le déclin de l'Occident ». Je ne suis naturellement pas tout le déclin de l'Occident, précise-t-il. Et il n'y a pas que moi qui soit le déclin de l'Occident. Mais je suis une molécule de la masse où le déclin de l'Occident se développe. Ne suivre que cette indication pour le lire, abondé dans sa conviction de la nécessité d'une révolution, risque fort de conduire à mettre ses pas dans le délire reichien, considéré par Angst comme une théorisation pertinente, sans doute après avoir pris connaissance de la biopathie du cancer, un livre de Rage. Il cite plusieurs fois Rage dans son ouvrage. Alors il n'est pas exclu qu'un sociologue puisse trouver matière à un abord du déclin de l'Occident par l'entremise du travail de Angst. Mais ce qui retient l'attention du clinicien n'est pas là. Mars constitue un document exceptionnel concernant ce que son auteur nomme sa maladie de l'âme. Cet ouvrage, précise-t-il d'emblée, n'est pas une autobiographie. C'est l'histoire d'une névrose. Ça, c'est son autodiagnostic. Alors certes, la fabrique du texte, l'élaboration stylistique, la partialité de la mémoire y concourent à la construction d'une figure du narrateur qu'il serait imprudent de confondre avec l'auteur. Toutefois, il nous indique que son projet consiste à se remémorer le plus de choses possibles touchant à sa maladie, de sorte que nous nous autorisons à considérer les distorsions du témoignage comme des élaborations secondaires, analogues à celles des illusions moïques de l'analysant.
Quand il entreprend la rédaction de Mars, son expérience de l'écriture est déjà affermie par la rédaction, entre 1962 et 1974, de 11 pièces de théâtre et 10 récits. La remarquable ouverture du texte donne un aperçu de ses qualités d'écrivain. « Je suis jeune, riche et cultivé, écrit-il, et je suis malheureux, névrosé et seul. Je descends d'une des meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on appelle aussi la rive dorée. J'ai eu une éducation bourgeoise et j'ai été sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée. C'est pourquoi j'ai sans doute une lourde hérédité et je suis abîmé par mon milieu. Naturellement, j'ai aussi le cancer. Ce qui va de soi si l'on en juge d'après ce que je viens de dire. La thématique majeure se trouve posée d'emblée en quelques lignes concises et percutantes. Vient alors un stupéfiant paradoxe qui capte l'attention du lecteur. « La chose la plus intelligente que j'ai jamais faite, affirme-t-il, c'est d'attraper le cancer. » Il ne méconnaît pas le caractère insolite de l'assertion. « Je ne veux pas prétendre ainsi, précise-t-il, que le cancer soit une maladie qui vous apporte beaucoup de joie. » Cependant, du fait que la joie n'est pas une des principales caractéristiques de ma vie, une comparaison attentive m'amène à conclure que, depuis que je suis malade, je vais beaucoup mieux qu'autrefois, avant de tomber malade. Le paradoxe est ici beaucoup plus qu'un artifice stylistique. Dans une lettre du 29 décembre 1975 adressée à Monique Verret, une de ses proches, il développe la même idée. Il est convaincu que son cancer possède une origine psychosomatique. C'est pourquoi il affirme être au fond heureux que la maladie ait enfin éclaté. Il ajoute « Je considère les années qui ont précédé la déclaration purement médicale du phénomène comme une sorte d'incubation et de préparation silencieuse aux symptômes extérieurs. La maladie névrotique qui le fondait était beaucoup, beaucoup plus grave. Depuis l'été 1975, je vais beaucoup mieux et je pense qu'aujourd'hui, bien que le cancer soit retombé dans une phase grave, je me porte bien mieux que du temps où je n'avais pas encore le cancer, mais où, en secret, je m'acheminais depuis longtemps inconsciemment vers lui. Que le déclenchement d'une maladie somatique gravissime puisse être vécu comme un progrès en rapport à un trouble psychique antérieur, à l'encontre du sens commun, voilà le paradoxe auquel Angst incite les cliniciens à se confronter à la lecture de son témoignage. Et pour soutenir ce paradoxe, nous le verrons, il a quelques raisons. Un détour s'impose d'abord par un examen critique de l'autodiagnostic de névrose. Avant l'apparition de son lymphome, Angst ne présente aucun symptôme caractéristique d'une pathologie précise. Ce dont il se plaint réside principalement en un état dépressif, fondé non pas sur une insatisfaction du désir, mais sur une carence à désirer. À l'université, constate-t-il, je n'avais pas eu des difficultés avec les femmes, ni même des problèmes sexuels. Je n'avais absolument rien eu avec les femmes, et ma vie entière n'était qu'un problème sexuel non résolu. Ce n'était pas que j'avais été amoureux sans espoir, que cela n'avait pas marché et que la femme en eût alors pris un autre. Je n'avais absolument jamais été amoureux et n'avais pas la moindre idée de ce qu'était l'amour. C'était un sentiment que je ne connaissais pas, tout comme je ne connaissais à peu près aucun sentiment. C'était la totale impuissance de l'âme. Il utilise même l'expression d'idiotie affective. L'immobilisme de Angst n'a rien en commun avec le fonctionnement de l'obsessionnel qui se mortifie en recourant au doute par crainte de l'acte.
Si l'obsessionnel n'arrive pas à se déterminer, c'est parce qu'il s'avère impuissant à choisir entre des objets qui présentent tous un attrait équivalent. Pour Angst, les objets sont dépourvus de brillance phallique. Dans le champ de la réalité, il n'y a pas d'objets libidinaux. Il s'agit là d'une déficience dont lui-même discerne qu'elle va bien au-delà de difficultés psychiques ordinaires. Je n'avais pas de souhait à satisfaire, souligne-t-il, car je n'avais pas de souhait. J'étais malheureux sans rien souhaiter. L'argent n'avait pas de sens pour moi, car rien de ce qu'il m'eût permis de m'acheter ne m'aurait fait plaisir. Je n'étais donc pas un acheteur enthousiaste, car je savais que pour moi, il n'y avait rien à acheter. J'avais donc un tas d'argent, mais je ne savais pas à quoi j'aurais pu le dépenser. Une telle position subjective peut certes se rencontrer transitoirement à l'occasion d'étapes dépressives, même chez un névrosé. Cependant, il s'agit en l'occurrence d'un état permanent qui donne au sujet le sentiment d'une carence foncière. « Je suis malheureux, affirme-t-il, parce que je ne fonctionne pas et que je n'ai jamais fonctionné. En tant que jeune, je n'ai pas été jeune. En tant qu'adulte, je n'ai pas été adulte. En tant qu'homme, je n'ai pas été un homme. À tout point de vue, je n'ai pas fonctionné. » Le désir de Angst n'est ni insatisfait, ni impossible, ni prévenu, dans l'exception donnée par Lacan à ces trois termes, en référence à l'hystérie, à la névrose obsessionnelle et à la phobie. Son désir est carent. Le montage du fantasme fondamental nécessaire à son soutien n'est pas en place. La non-extraction d'objet A s'en déduit. C'est pourquoi Angst, bien différent en cela du névrosé, ne rapporte pas sa souffrance existentielle à la division subjective. « Je n'étais pas triste, écrit-il, parce qu'il me manquait quelque chose de précis. J'étais triste, bien qu'il ne me manquât rien, ou qu'apparemment rien ne me manquât. » Il ajoute avec beaucoup de pertinence, « Contrairement à bien des gens tristes, je n'avais pas de raison de l'être. » Et c'était justement là qu'était la différence. C'était justement là ce qu'il y avait d'anormal dans ma tristesse. Rien ne manque à Angst. La séparation de l'objet-cause du désir ne s'est pas opérée. La loi de castration symbolique n'a pas imposé sa marque, de sorte que l'élan du désir ne s'est pas enclenché. C'est ce qui lui donne le sentiment de n'avoir jamais fonctionné. Il ne manquait cependant pas d'activité, mais outre l'écriture, dont nous examinons plus loin la fonction, il est frappant de constater combien celle qu'il investissait était centrée sur des images, confection de marionnettes, de puzzles, de costumes et de décors de théâtre, acteurs de ses pièces. Quand le fantasme fondamental fait défaut, les repères imaginaires prennent nécessairement une importance prépondérante, faute de quoi la réalité se décompose. Il est probable que les activités créatrices de Angst se soutenaient de l'identification par quoi le sujet avait assumé le désir de sa mère, indication de Lacan. On en trouve l'indice dans l'intérêt de celle-ci, de sa mère, pour les puzzles de son fils. Monique Verret a noté l'exceptionnelle intensité du lien qui les unissait. Jamais personne ne t'a mieux connu ni plus aimé que ta mère, écrit-elle. Vous vous ressembliez trop pour qu'elle ait pu se tromper sur le sens, même le plus secret, d'un seul de tes regards. Voilà la merveille et voilà le drame de ta vie. D'esprit, de cœur et de corps, tu étais le jumeau de ta mère. À cette différence près qu'elle était femme et que tu étais homme. Aucune union ne pouvait être plus parfaite que la vôtre et aucun détachement plus difficile. La pertinence de cette dernière remarque est amplement confirmée par le témoignage de Hans. J'ai beaucoup joué jadis, dit-il, avec l'idée de tuer ma mère. Et j'ai aussi beaucoup rêvé que je tuais ma mère.
Dans la dimension où ma mère incarne pour moi le mal, il est plein de sens et nécessaire que je lui plonge la tête dans le sang et la mort, même si c'est d'une manière telle que les mots de tête et de sang ne doivent plus être entendus dans un sens concret, mais en tant que valeur symbolique. Ce n'est pas la tête de l'aimable vieille dame du lac de Zurich qui doit tomber, précise-t-il encore, mais une autre tête qu'il faut considérer comme un symbole. L'ambivalence inhérente à la pure relation spéculaire se trouve remarquablement clivée entre une tendresse consciente et une haine qui ne s'exprime guère qu'en des visions et des rêves. C'est une des caractéristiques du témoignage de Hans, son aptitude à percevoir et décrire des phénomènes qui chez d'autres seraient inconscients, tandis que ses attitudes et ses comportements restent adaptés, mais de manière ressentie par lui comme factice. Avant l'éclosion de son cancer, Angst ne se soutient que de ce qu'il nomme lui-même un « moi simulé », dont il décrit les étayages avec une remarquable précision. En tout point, il pensait devoir suivre l'opinion de ses parents. Ceux-ci lui paraissaient avoir toujours fondamentalement raison. Je pouvais parfois être d'un autre avis sur certains détails, écrit-il. Mais mettre réellement en question leurs actions ou leurs pensées, cela, je ne le faisais pas. Il fut éduqué non seulement à se conformer au discours familial, mais plus encore à toujours adopter le jugement des autres, de sorte qu'il ne jamais risquait de dire quelque chose qui ne fut pas assuré de l'approbation générale. Il considère évidemment en avoir perdu toute aptitude à la spontanéité. Derrière la façade d'un moi conformiste, calqué en miroir sur les proches, le sujet s'avère incapable de procéder à des choix, parce que de choix il n'y a pas, faute de fantasme fondamental pour les instaurer. En ce temps-là, précise-t-il, je n'avais pas de jugement, pas de préférence personnelle et pas de goût individuel. Au contraire, en toute chose, je suivais le seul avis salutaire, celui des autres, de ce comité de gens dont je reconnaissais le jugement. Merci. Naturellement, cette recherche constante de l'opinion juste et seule salvatrice conduisait rapidement à une grande lâcheté en matière de jugement. Si bien que ma peur de prendre parti, devenue excessive, dit-il, empêchait toute prise de conscience spontanée. À la plupart des questions qu'on me posait, j'avais coutume de répondre que je ne savais pas, que je ne pouvais pas en juger, ou que cela m'était égal. Je ne pouvais donner de réponse que lorsque je savais d'avance qu'elle pouvait correspondre au canon salvateur. Je crois qu'en ce temps-là, j'étais un véritable petit Kant effarouché qui croyait toujours ne pouvoir agir qu'en parfait accord avec la loi générale. L'inconsistance des choix de Angst, en raison de leur absence de fondement sur un désir affirmé, trouve une illustration exemplaire dans l'anecdote suivante qui témoigne des difficultés rencontrées pour maintenir l'harmonie des opinions et qui révèle la persistance de la non-implication jusque dans la résolution d'un conflit. « Je ne lisais que de bons livres, confie-t-il, c'est-à-dire que je n'en possédais pas d'autres. Je ne savais même pas ce que pouvaient être de mauvais livres. Je fus prodigieusement étonné le jour où je me rendis compte que, parfois aussi, un bon livre pouvait ne pas plaire. J'avais lu Eckhart de Scheffel, et je l'avais naturellement trouvé bon. Un jour, une fille de mon âge, voyant ce livre sur un rayon de ma bibliothèque, me demanda s'il m'avait plu. Je me dis en moi-même, quelle question idiote, puisque c'est un bon livre. On ne pose pas de questions sur des évidences. Et je répondis naturellement que oui. Quand elle répliqua qu'elle-même n'avait pas du tout aimé ce livre, je n'en revins pas.
qu'un bon livre plût déplaire, cela dépassait ma compréhension. Plus tard, je réfléchis à la question. Puisque ce livre avait déplu à cette fille, je résolus de le trouver dorénavant, moi aussi, mauvais. Sa démarche ne consiste pas à relire le livre afin d'argumenter son opinion, car il n'est pas sans savoir que lui fait défaut une aptitude foncière à forger cette opinion personnelle. Il ne cherche pas non plus à comparer les arguments des autres. Pour résoudre son dilemme, il recourt au critère le plus immédiat que la temporalité lui suggère, retenir la dernière opinion exprimée. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est ce genre de sujet. Hanks souffrait d'un trouble de l'identité évocateur de la dépersonnalisation, mais bien différent de celle-ci, puisqu'elle se spécifie, la dépersonnalisation, d'être un sentiment dont l'épreuve est pénible. Or, ce n'est que dans l'après-coup du lymphome que Zorn se plaint de son moi simulé. Sage, poli, disant oui à tout, ne prenant part à aucune controverse, dans ses conduites sociales, il ne cessa d'adopter ce fonctionnement conformiste. De ces phénomènes, Hanks donne une description d'une rare précision. Son aboulie, dit-il, l'avait conduit à une normalité presque répugnante, le réduisant à une particule conformiste qui évitait tout conflit adoptant toujours les jugements des autres. Or, ceci ne saurait manquer parfois de différer, de sorte qu'il faut bien, en dernière analyse, que quelqu'un donne le ton. Oui, certes, écrit Zorn, quelqu'un donnait le ton. Le père, naturellement. En effet, que le père décide de l'opinion, c'est cela, justement, qui est bien. En général, c'était mon père qui disait comment se présenter les choses, et nous abondions dans son sens, car il devait bien savoir mieux que nous. Ma mère suivait inconditionnellement cette ligne de conduite. Quand le père assume la fonction de la référence, tandis que ses proches l'acceptent volontiers, la situation s'avère d'ordinaire pacifiante pour le milieu familial et convenablement structurante pour les enfants. Dans le cas précis de Hanks, il semble en avoir été tout autrement. Mon père, rapporte-t-il, était le maître du pas comparable. À tout moment, il se trouvait incapable de mettre en rapport des choses différentes. Il disait que cela ne pouvait absolument pas se comparer et laissait tout ainsi en suspens dans le vide. C'était comme s'il n'y eut pas au monde deux choses comparables. Mais les choses qu'on ne compare pas à d'autres sont toujours sans valeur en soi. Elles demeurent solitaires et incompréhensibles dans un espace froid, irréel. Elle n'incite ni à la critique ni à l'approbation. Elle n'engage pas. Elle ne produise aucun effet. Tout bonnement, elles ne sont pas comparables. Pour ses parents, la vérité s'effaçait à tel point devant la bienséance et le conformisme que s'il le fallait, en présence d'invités de marque, ils ne reculaient pas à soutenir des opinions contraires aux leurs. Leur fils les perçoit comme parlant une langue qui n'est connectée ni aux sentiments, ni au monde des choses. La question religieuse elle-même, évocatrice des assises du symbolique, apparaît traitée de manière inconsistante par ses parents. Mes parents, affirme-t-il, étaient très profondément areligieux, mais ils se seraient coupé la langue plutôt que de l'avouer. Il m'est plus facile de comprendre aujourd'hui la croyance de mes parents, et je la définirai ainsi. Dieu est mal, parce qu'on est obligé de s'en occuper. Mais l'Église est bien, parce qu'elle est une chose respectable. Qui plus est, son père était uniquement pour la forme de l'Église, mais pas pour son sens. De sorte que les églises étaient bien et magnifiques, mais en revanche, elle se dressait dans le vide complet.
Il n'est rien à ajouter à la description faite par Hanks du manque d'ancrage des significations véhiculées par le discours parental, tant lui-même semblant dégager les conséquences avec précision et lucidité. Que devient la réalité dans ces conditions, se demande-t-il. Quand on dit trop de « ou bien », les mots perdent tout leur poids et tout leur sens. La langue se décompose en une masse amorphe de particules privées de signification. Plus rien n'est solide et tout devient irréel. D'avoir grandi dans un monde menteur, il estime s'être trouvé incité à n'avoir aucune opinion, à ne rien faire, à rien dire, à rien défendre. Que dans le discours parental, le symbolique apparaisse déconnecté du réel ne saurait guère être affirmé avec plus de force. Il serait tentant d'en inférer que nous disposons l'un d'un document permettant de saisir dans le discours de l'autre des conditions propres à générer la forclusion du nom du père. Il s'agirait d'une conclusion imprudente. La structure psychotique n'est pas seulement transphénoménale en elle-même, elle l'est tout autant dans sa genèse. De surcroît, il ne faut pas omettre que la facticité du discours parental, tel que rapporté, ne témoigne que de la manière dont Hanks l'a vécu. Il est concevable que ce soit la spécificité de son fonctionnement psychique qui l'ait conduit à privilégier les traits d'inconsistance aux dépens d'autres. Au reste, bien que nous ne sachions rien du devenir du frère de Hanks, il est peu probable que ce soit structuré sur un mode psychotique ou qu'il ait présenté des troubles importants, car son aîné n'aurait sans doute pas manqué d'en faire état à l'appui de sa thèse concernant l'éducation à mort. Le document apparaît cependant comme fort plausible quand l'auteur affirme que dans sa jeunesse, tous les problèmes lui ont été épargnés, de sorte qu'on ne lui a pas donné la capacité de les affronter. On sait qu'une telle éducation protégée s'avère avec une grande fréquence constituer un facteur de morbidité, car à l'instar des conditions peu propices à l'assomption de la castration symbolique. Toutefois, même dans ces circonstances, la pathologie n'est pas inéluctable, le choix de celle-ci n'apparaît pas objectivable, il reste du registre d'une insondable décision de l'être. Sauf en des cas extrêmes, la seule considération du contexte familial ne permet pas aujourd'hui de prédire la structure subjective des enfants à venir. Celle-ci n'est jamais qu'inférée de données cliniques recueillies à l'écoute du sujet lui-même. Parmi celles-ci, le surgissement des troubles tient une place importante. Comment s'est trouvée rompue l'harmonie qui déclencha le lymphome de Angst ? À mesure qu'il progressait dans ses études, l'âge de ses condisciples s'accroissant, il constata de manière de plus en plus insistante que par un certain aspect, il n'était pas comme les autres. L'un de ses principaux points d'appui, écrit-il, ce conformisme, ce point d'appui l'a lâché quand il est passé du lycée à l'université. Là, il ne lui fut plus possible de se cacher l'échec de sa vie sexuelle. Cela, confie-t-il, devint l'un de mes plus grands problèmes au cours de mes études. Dans mon fort intérieur, je savais que j'étais un raté, mais je ne voulais pas me l'avouer. Je savais aussi, au fond, que si j'étais un raté, c'est parce que je n'avais pas de femme. Puisque femme, c'était tout bonnement le symbole et le point crucial de tout ce qui me faisait défaut. Mais cela aussi, je me le camouflais et j'inventais une foule d'autres raisons pour lesquelles j'étais tout le temps terriblement déprimé. Il apparaît très manifeste que la forclusion du nom du père laisse Hanks démuni quand il s'agit de significantiser le réel du sexe. Lorsque la question sexuelle ne peut plus être éludée, une carence du désir se révèle et ne tarde pas à devenir insupportable. Aussi longtemps que possible, Hans s'est rangé parmi les petits garçons asexués, dit-il.
faute de disposer du phallus symbolique mis en place par le nom du père, le sexe s'avère constituer pour lui un réel traumatique. Angs avait été capable d'apprendre par cœur tout son dictionnaire de portugais. Il était professeur d'espagnol et de portugais. L'étrangeté de cette conduite ne manquait pas d'apparaître à ses proches. Quelle sinistre façon de s'approprier une langue, comment que Menin verrait, et quelle mémoire d'éléphant. Tu savais tout le vocabulaire et t'amusais à épater Dona Josefina en te servant des termes les plus recherchés et des expressions les plus rares. Certains cliniciens expérimentés ont constaté que l'apprentissage du dictionnaire dans l'espoir de maîtriser le langage en le réduisant à un code pourrait être, quasiment être rangé parmi les phénomènes élémentaires de la psychose. Notons par surcroît que privilégier la dimension lexicale dans une langue fait de celle-ci une sorte de puzzle. Or, l'une des rares activités investies par Angs fut, outre l'écriture, la construction et la résolution de puzzles. Comprendre et s'affronter à l'ordre des images morcelées et des mots isolés, afin d'arriver à les organiser par un travail mnémonique ou en prenant appui sur des images, ne se sert guère de constituer pour Angs des tâches essentielles parce qu'orientées vers une réparation de la carence paternelle. Seul le nom du père et son produit, le phallus symbolique, s'avèrent propres à faire reposer les images et le sens sur une évidence naturelle. Comme nulle construction imaginaire ne fait obstacle à la saisie de la non-extraction de l'objet A, le sujet psychotique s'appréhende en position de déchet face à un autre tout-puissant. On comprend dès lors que la psychothérapie de Angs, en minant ses repères imaginaires, en démolissant tout l'ancien, dit-il, sa psychothérapie l'apportait à se vivre comme une épave humaine. Les deux premières tentatives de psychothérapie ne lui furent d'aucune aide et restèrent sans effet. En revanche, la troisième, qu'il considéra comme la psychothérapie proprement dite, la troisième le bouleversa. La première année de celle-ci resta la pire de sa vie, en raison, dit-il, du travail de démolition qu'elle opéra à l'égard de ses identifications conformistes et de ses croyances antérieures. Elle n'a sans doute pas été très bien dirigée, mais bon, c'est difficile de savoir à l'époque. Il apparut, écrit-il, que non seulement j'étais dans un état pitoyable, mais que j'avais été dans un état pitoyable et que je remplissais toutes les conditions pour être aussi à l'avenir dans un état pitoyable. Plus je me connais moi-même, plus je me ressens comme je suis, détruit, castré, brisé, déshonoré, bafoué. Il tente de donner du sens à cette position subjective en prenant appui sur son mal et en s'autonomant, ce qui l'incite à se poser comme le carcinome de Dieu. Il conçoit celui-ci, Dieu, comme une sorte de méchanceté endormie et amorphe qui chercherait à l'anéantir dans le cadre d'un programme d'écrasement universel. Il conserve cependant une lucidité suffisante pour discerner en ce Dieu une place logique dont son âme tourmentée ressent la nécessité afin de trouver une adresse à laquelle envoyer son accusation. Cette pieuvre aux mille tentacules, dit-il, possède diverses incarnations dont les principales lui paraissent être ses parents et la bourgeoisie zurichoise. La thèse selon laquelle il a été éduqué à mort doit être entendu comme une dénonciation du sort que l'autre, le grand autre, lui fait subir en le prenant pour objet propre à servir sa jouissance morbide. De la part de sujets qui assistent au développement d'une maladie mortelle en leur corps, il est certes des témoignages qui s'apparentent à celui de Angs pour faire état d'une révolte contre l'autre jouisseur. Il serait cependant imprudent d'en conclure sur ce seul trait à la structure psychotique.
L'angoisse de la mort, surtout chez un sujet jeune, suscite presque toujours un sentiment d'injustice qui incite à dénoncer la malignité de l'autre. Pour être porté avec rigueur, un diagnostic structural ne saurait se suffire d'un signe clinique isolé. Il exige la convergence de plusieurs éléments. Or, l'identification à l'objet de la jouissance de l'autre s'accompagne fréquemment chez le psychotique d'un effet qui tend à y paraître, d'un effet de pousse à la femme. L'une des ébauches les plus communes de ce pousse à la femme chez l'homme réside dans le surgissement de préoccupations homosexuelles. Quand j'étais étudiant, confie Hans, comme mes relations avec les femmes ne marchaient jamais, je m'étais souvent mis dans la tête que j'étais tout bonnement homosexuel. Ou plutôt, j'avais craint d'être homosexuel. De telles inquiétudes ne sont certes pas exceptionnelles lors de l'adolescence chez certains névrosés. En revanche, beaucoup plus probante à cet égard s'avère la thématique d'une série de visions formées par Hanks pendant des années lors de nuits d'insomnie. Des histoires de famille poursuivies de génération en génération s'y déroulaient dans ces visions sans intervention consciente de sa part. La plupart des personnages qui s'y rencontraient étaient tristes. C'est-à-dire, précise-t-il, que le plus souvent, ils n'étaient pas tristes a priori, mais ils le devenaient. La tristesse les rattrapait, et ils étaient terrassés par la tristesse. Sans cesse, le cas se produisait que tel personnage était frappé par la mélancolie. Il n'est guère douteux que ce soit le moi dépressif du sujet qui soit mis en scène dans ces imageries involontaires. Or, précise Angst, c'était surtout le personnage de la femme figée dans la douleur qui traversait toutes ces histoires. Cette figure qui, typiquement, atteignait toujours un âge avancé, survivait généralement à tous ses contemporains et mourait la dernière de son temps. Mais quand survenait une nouvelle époque et une nouvelle génération, revenait la figure de la grande affligée. Parfois, au début d'un nouveau chapitre, je ne savais pas encore que l'ancien personnage de la grande affligée était de retour, ou bien je n'aurais même pas su dire laquelle parmi les femmes de la nouvelle génération serait la grande affligée. Mais en tout cas, au bout d'un certain temps, l'une de ces apparitions féminines d'abord indifférenciée se révélait, c'est celle-là. Ce personnage prenait peu à peu la même aura de mélancolie que sa devancière, même si de caractère, elle en différait totalement. Il était même de règle que toutes ces femmes fussent complètement différentes. Elles n'avaient qu'un seul point de ressemblance. Finalement, elles devenaient toujours des figures de la douleur incarnée, en quelque sorte des déesses de l'affliction. Tous les protagonistes des rêveries éveillées de Hanks reflètent à l'évidence sa propre mélancolie. Cependant, parmi ceux-ci, aucun ne se prête mieux à le représenter que la grande affligée. On sait depuis Freud que le personnage principal du rêve réfère en général au rêveur lui-même. Hanks ne manque pas de le concevoir concernant ses visions. Je pense aujourd'hui, écrit-il, que cette figure allégorique, la grande affligée, était l'image de mon âme qui d'elle-même se présentait à moi sous cette forme visible afin de me mettre sous les yeux ce qu'il en était de moi en vérité. Que ce soit avec insistance une image féminine qui surgisse pour représenter Hanks mérite d'être souligné. Le phénomène s'annonçait déjà quelque peu dans la crainte de devenir homosexuel. Chez l'homme, une association inconsciente entre position féminine et homosexualité s'établit aisément. Aussi, cette dernière thématique constitue souvent la forme par laquelle émerge le pouce à la femme. Le processus s'avère ici plus original dans sa manifestation. Il en passe par l'image spéculaire de la grande affligée. C'est parce que l'inconscient ne connaît pas le signifiant de la femme
que c'est également fort clos du symbolique, tant pour le psychotique à faire retour dans le réel. Si la femme existait, elle serait toute, elle ne serait pas soumise au manque, de sorte qu'elle participerait du père réel, celui qui capitalise la jouissance. C'est pourquoi elle emprunte toujours une forme grandiose quand elle se présentifie dans le délire, pour tenter de faire advenir ce qui n'est pas. Surgissent alors des figures de la Vierge, de la Reine, de la Grande Duchesse, de la Dame, de l'Étoile, etc. En ce qui concerne Angst, c'est bien une déesse qui se dégage de ses visions, mais une déesse chagrine, celle de l'affliction. La grande affligée n'est pas insérée dans les constructions d'un délire. Le pouce à la femme ne reste qu'ébauché. Nul doute cependant que l'image de l'abattement reflète la position mélancolique de Angst. Pas plus que le thème de la grande affligée, la fantasmagorie énigmatique de la corneille morte ne saurait livrer son secret à qui chercherait à l'interpréter en usant d'un schéma névrotique reposant sur le retour du refoulé. Il faut d'abord souligner que cette formation imaginaire, la corneille morte, s'inscrit nettement dans le cadre de la pure relation duel entretenue par Angst avec ses semblables, dont on sait que cette relation duel constitue une des conséquences majeures de la forclusion du nom du père. À cet égard, Angst confie son goût pour l'observation des autres qui, lors de son adolescence, lui faisait prendre la rue pour un spectacle qui lui était réservé. Or, ce penchant, dit-il, eut une conséquence terrible. Comme je ne faisais qu'examiner les passants, écrit-il, et qui plus est d'un œil critique et dédaigneux, plutôt qu'avec sympathie, je pensais automatiquement qu'ils en usaient de même avec moi. Chaque fois que quelqu'un me suivait des yeux, il me semblait que son regard était critique et réprobateur et qu'il trouvait quelque chose à redire. Ce que l'on constate ici n'est autre qu'une discrète émergence du mauvais œil dans le champ d'un rapport spéculaire ou semblable. L'objet regard n'a pas succombé au refoulement originaire, de sorte qu'il oriente la vision critique de Angst, mais en miroir, ce dernier devient pour l'autre un immonde objet scopique. Je craignais que mes vêtements fussent salis, rapporte-t-il, ou en désordre, ou de promener partout sans m'en rendre compte une mine contrariée. Dans ma jeunesse, j'exprimais cet état d'une manière très juste en disant que je me sentais comme si je portais accroché au cou une corneille morte. On eût dit que tout le monde voyait pendouiller cette corneille et que moi seul, je n'eusse pas conscience de ce fait scandaleux. En prêtant attention au témoignage de Angst, il s'avère que la corneille morte constitue pour lui un objet d'horreur qui possède pour principale spécificité d'orienter le champ de la vision de l'autre. Il affirme avoir eu le sentiment que ceux qui le regardaient accommodaient sur ce déchet de corneille. On reconnaîtra dans cette corneille morte un avatar de l'objet énigmatique, anamorphose d'une tête de mort, qui flotte au premier plan du tableau d'Holbein, Les Ambassadeurs, choisi par Lacan pour faire la couverture du séminaire 11, qui traite de la schisme de l'œil et du regard. Angst se trouve en prise avec la fonction critique et discriminante du mauvais œil, tant dans sa perception du monde que dans celle de lui-même par l'intermédiaire des autres. Que cette corneille immonde colle à son corps met en image la structure de non-extraction de l'objet A. Pourquoi cependant le choix du signifiant corneille ? Angst ne saurait guère s'en expliquer. Il ne le tente d'ailleurs pas. D'après notre hypothèse structurale, celle-ci doit comporter une référence allusive à la fonction du regard. Elle ne se laisse pas aisément discerner. Toutefois, il existe dans la langue maternelle de Angst, l'allemand, un proverbe
bien connu, équivalent du français, les loups ne se mangent pas entre eux, et ce problème se formule, une corneille n'arrache pas les yeux des autres. Dans le champ sémantique de Hanks, la corneille constitue un signifiant qui peut se prêter par ce biais à une association allusive entre castration et regard. Il s'avère que le cancer se déclare quelque temps plus tard à l'endroit précis de la présence supposée de la corneille morte, sur le cou, ce qui va bien dans le sens de la théorie de Hanks que c'est un phénomène psychosomatique. Avant même de connaître le diagnostic de la tumeur, Hanks considère avoir intuitivement posé le bon diagnostic en la qualifiant, cette tumeur, de larme rentrée. Ce qui voulait dire à peu près, commente-t-il, que toutes les larmes que je n'avais pas pleurées et n'avais pas voulu pleurer au cours de ma vie se seraient amassées dans mon cou et auraient formé cette tumeur parce que leur véritable destination, à savoir d'être pleurée, n'avait pas pu s'accomplir. Hanks n'associe pas la corneille morte et les larmes rentrées. Les métaphores encloses dans ces expressions lui restent opaques. En revanche, si l'on discerne ce qu'elles évoquent de la fonction du regard, elles deviennent moins énigmatiques. Les larmes rentrées mettent en image la chose qui de l'œil ne s'est pas séparée. Elles attestent que ne s'est pas opérée la schiste de l'œil et du regard. Elles témoignent de la non-extraction de ce dernier. Les métaphores de la corneille et des larmes sont directement en prise avec l'objet réel. S'il en est bien ainsi, le lymphome de Hanks doit être appréhendé comme une présentification du regard. L'objet A, comme l'enseigne Lacan à propos du phénomène psychosomatique, se trouve là pris en masse dans la paire signifiante primordiale. Se déclarer le carcinome de Dieu ne relève pas d'une métaphore interprétable, mais témoigne d'une tentative psychotique pour suppléer au nom du Père, en cherchant à se faire représenter sans reste par une écriture en prise directe avec la jouissance. Dans les phénomènes psychosomatiques, comme dans la psychose, la division du sujet n'est pas mise en jeu. L'opération de séparation ne s'est pas effectuée. Le corps n'est pas devenu un désert de jouissance. C'est pourquoi l'être du sujet reste assujetti à la menace d'un autre non barré et jouisseur. Dès lors, on ne s'étonnera pas de constater que beaucoup de psychotiques présentent des maladies somatiques quand leurs troubles ne vont pas jusqu'à la psychose déclarée. L'affirmation paradoxale de Hanks, selon laquelle il va beaucoup mieux après l'apparition de sa maladie, se conçoit plus aisément à partir de l'hypothèse d'après laquelle sa tentative de connecter la jouissance au signifiant connaît une certaine réussite par l'entremise du lymphome. Sa souffrance antérieure tenait pour l'essentiel en une torture dépressive omniprésente, fondée sur une carence du fantasme fondamental, oblitérant la dynamique de son désir, cadrée dans des conduites conformistes. Le surgissement des visions nocturnes centrées sur la grande affligée, antérieure à l'apparition de la maladie somatique et qui persistèrent 2 à 3 ans, indique déjà une prévalence libidinale du regard. En l'occurrence, l'objet était encore pris en des reflets spéculaires puisque ce furent des images du sujet et de sa mélancolie qui dominèrent. Elles semblent avoir été contemporaines d'une certaine stabilisation de ses troubles. Hanks les conçoit, ces visions, comme une tentative avortée pour faire entendre quelque chose. Si la figure de la femme affligée avait vraiment été mon âme qui appelait à l'aide, en tout cas, son cri de détresse s'était éteint sans avoir été entendu. L'intuition est remarquable de lucidité. C'est alors son corps qui va se faire entendre pour lui réclamer la dette impayée de la castration symbolique. Les visions et le lymphome possèdent en commun de recéler des messages de l'autre allusifs et non délivrables, mais ils procurent au sujet une précaire localisation de la jouissance de l'autre,
soit en la cadrant par des images, soit en l'écrivant dans le corps. Et dès lors, en dépit de leur caractère pénible, il faut constater qu'ils s'accompagnent aussi d'effets apaisants. C'est en ce sens que, malgré les apparences, l'opinion de Hans peut se justifier quand il affirme que le lymphome malin constitue un progrès par rapport à la torture dépressive. Pour peu qu'on puisse assimiler le cancer à une idée, écrit-il, j'avouerai que la meilleure idée que j'ai jamais eue, ça a été d'attraper le cancer. Je crois que ça a été le seul moyen encore possible de me délivrer du malheur de ma résignation. Il ne s'agit pas de bravade inconsidérée. Le paradoxe de l'amélioration de son état grâce aux troubles somatiques trouve sa raison dans la logique du fonctionnement psychotique quand on conçoit le cancer comme une localisation de la jouissance, certes précaire, mais en progrès sur une dépression sans motif. Au reste, d'autres sujets psychotiques font état d'un vécu semblable. Jacqueline, rapporte ma collègue, avait connu pendant 10 ans les affres de la dépression cyclique. Il y a 3 ans, un soir, elle m'appelle pour m'apprendre qu'elle a un cancer du sein, et pas des meilleurs. Elle n'a pas bronché sous la nouvelle et accepte sans plainte tout ce qu'on lui impose, c'est-à-dire beaucoup. Comme quelques mois plus tard, je la félicite affectueusement pour son courage, elle me répond simplement ceci. Docteur, quand on a connu la dépression, un cancer du sein, même un méchant cancer du sein, c'est des roses. De tels témoignages dépassent l'anecdote. Ils révèlent une logique à l'œuvre. Et Hans s'efforce de la cerner avec précision. La chose épouvantable qui m'avait torturé toute ma vie sans avoir de nom, affirme-t-il, à présent, en avait enfin reçu un. Et personne ne contestera que ce qui est terrible et connu vaut toujours mieux que ce qui est terrible et inconnu. Non seulement le lymphome incarne dans le corps le mal énigmatique, mais par surcroît, il permet de connecter la jouissance morbide et localisée à un signifiant. Il devient dès lors compréhensible que Hans affirme nettement que son cancer lui a procuré une amélioration de son état psychique. Peu à peu, cependant, écrit-il à cet égard, se produisait une chose curieuse, une chose peut-être souhaitée, peut-être même attendue, mais tout de même, avant tout, curieuse. Un beau jour, les dépressions n'étaient plus là. Je n'affirmerai pas par là que je fusse devenu beaucoup plus heureux, mais tout de même, je le sentais, le nouvel état était à plus d'un point de vue préférable à l'état antérieur. Il n'ignore pas combien il peut apparaître surprenant de témoigner d'un sentiment de satisfaction de telles circonstances. C'est pourquoi, en plusieurs occasions, il prend soin de préciser et de nuancer. Ma vie présente, note-t-il, est malgré tout moins désolante et désespérée que les 30 premières années de mon existence. Je ne suis pas heureux, à vrai dire, mais au moins je ne suis plus que malheureux et non pas déprimé. Il m'est difficile de présenter en une formule élégante la différence exacte de sens entre malheureux et déprimé, mais il est évident que malheureux est moins grave que déprimé. La localisation cancéreuse de la jouissance est éprouvée par Hans comme un progrès, car il n'est pas contestable qu'elle atténue sa souffrance psychique. Cependant, elle ne la résout pas. Que sa jouissance se porte à l'image par l'entremise des visions ou qu'elle se réifie dans le corps par le canal du lymphome, elle reste prise en masse dans le signifiant. C'est pourquoi la psychothérapie s'est avérée impuissante à déchiffrer les allusions closes dans ces phénomènes. Ils n'ont pas consistance de métaphore. Hans ne discerne en ceci que reflets spéculaires et déchéance de son être face au courroux de l'autre. Or, il apparaît que dans l'après-coup de la concrétisation de la pathologie cancéreuse,
on trouve pour la première fois une orientation ferme en son existence. Grâce à son mal, il parvient à compenser quelque peu la carence du fantasme fondamental. Je suis entouré de mille choses qui m'oppressent, constate-t-il, et je passe par mille frayeurs. Mais au moins je vis quelque chose, et mes parents, eux, n'ont rien vécu du tout. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le signifiant cancer lui donne une assise. Un progrès se produit dans l'économie de sa jouissance. Son existence trouve un sens. Il sait alors que faire, contre quoi lutter. Il devient Zorn, la colère. En allemand, c'est la colère, ça. C'est le pseudonyme qui se donne. Outre la révolte à l'égard de la malignité de l'autre, il affirme que la rédaction de Marx possède pour ressorts principaux la recherche du sens et celle de la clarté. Le projet manifeste consiste à donner du sens à son existence et à sa maladie. Or, au terme de son effort, il considère ne pas être parvenu à son but. La mort de son âme, sa non-existence, lui apparaît sans raison. En revanche, il constate que l'histoire accablante de sa vie lui est devenue claire. Le cancer lui aurait donné la faculté de voir en toute clarté et de comprendre rétrospectivement en quoi aurait consisté la catastrophe. Illusion, certes, quant à sa clairvoyance, mais l'orientation est pertinente puisque c'est bien l'objet scopique qui capitalise la part majeure de sa jouissance. Maintes fois, il insiste sur sa lucidité. Je vois, affirme-t-il, la nécessité de ma position présente. Il affirme que la cause de sa mort sera claire pour tout le monde. Bref, il formule sa conviction majeure de la manière suivante. Ce n'est pas une histoire réjouissante, mais elle est claire. La présentification du regard qui s'impose à lui suggère un sentiment de clairvoyance. Toutefois, l'objet scopique ne cesse pas d'être non extrait, de sorte que c'est dans un processus d'auto-observation que Angst trouve dans l'après-coup de sa maladie une orientation à son existence. D'après Monique Verret, une amie, quand Angst formula auprès de son père ses craintes relatives à devenir homosexuel, celui-ci demanda un conseil au médecin de famille qui leur recommanda un psychothérapeute. Je me suis toujours demandé pourquoi, commente Monique Verret, au moment où tu avais voulu te distancier de ta famille, tu n'avais pas cherché un analyste qui n'ait plus rien à faire avec ce que tes parents avaient autrefois arrangé pour toi. Cet homme s'appelait Frey, libre. Quand tu allais chez lui, la conjonction de vos deux noms faisait Angst Frey, sans peur. C'est cette consonance prometteuse qui a dû te séduire et t'attacher. La remarque n'est pas sans pertinence. Il n'est pas douteux que Angst, à l'instar de beaucoup de psychotiques, attachait une grande importance au jeu de la lettre. Selon le témoignage de Monique Verret, il avait goût et facilité pour la versification. Il composait des rébus. Il aimait produire des trouvailles multilinguistiques. Au niveau du langage internautel, tu étais un grand spécialiste de la rencontre inédite. Tu trouvais toujours des ponts qui menaient d'une langue à l'autre par des chemins auxquels personne n'avait encore pensé. Il y en a un autre qui faisait ça. Joyce, bien sûr. Dans l'une de ses nouvelles, Zorn s'amuse à esquisser une langue néologique dans laquelle le grillon chante dans l'herbe serait rendu par Schrakzimzini. J'en viens à penser, écrit Monique Verret, par ailleurs, que les sons ont tellement déterminé ta vie que ceux de ton nom sont source de tous tes maux. Angst, donc angoisse, est un nom difficile à porter pour un enfant craintif. À quoi on objectera bien évidemment que Angst est en Suisse un nom assez répandu et qu'il n'entraîne pas des troubles psychiques chez tous ceux qui le portent.
Toutefois, l'hypothèse selon laquelle la mélancolie de Fritz Hans trouverait l'un de ses ressorts dans une prise à la lettre de son patronyme n'est pas à écarter. La tentative de suppléer par ce moyen à la carence identitaire a été plus d'une fois constatée chez les psychotiques. Pour tel sujet, la forclusion du nom du père peut conférer une portée anxiogène au signifiant « anx », mais ce dernier ne saurait de par lui-même déterminer la structure. Il est pourtant incontestable, comme l'a noté Malik Verret, que « anx » accorde une grande importance au signifiant. L'un de ses textes, le premier puzzle de Zurich, témoigne même d'une étonnante prévalence donnée au signifiant. Il s'agit d'un récit axé sur la relation de l'envahissement progressif du signifié par le signifiant puzzle. Jusque dans le choix de ce dernier, le puzzle, la fonction de la lettre semble discernable. Elle interfère en outre avec le pseudonyme, puisque les deux Z qui équilibrent le mot puzzle occupent aussi une place centrale dans Fritz Zorn, son pseudonyme. Puzzle apparaît dans ce texte comme un signe, dans le texte de le premier puzzle de Zurich. Puzzle apparaît comme un signifiant déchaîné, sans loi, qui copule avec les autres, les parasites, et finit par tous les absorber. Beaucoup de bons puzzleurs d'autrefois, écrit-il, ne sont plus parmi nous pour puzzler. Tous les jours, on en puzzle des centaines. Les riches et les pauvres, les vieux et les jeunes, les papes et les mendiants, tous sont pareils devant le puzzle. Bien des communautés et des familles heureuses ont été déchirées par le puzzle. Beaucoup de gens ont été puzzlés au seuil de leur vie, et d'innombrables malheureux furent obligés d'attendre la venue du rédempteur puzzle. Beaucoup de rues de nos villes sont puzzlées. Des quartiers entiers sont en puzzle. D'autres rues puzzlent magnifiquement, comme toujours, mais elles sont vides. Leurs habitants ont été emportés par le puzzle, etc. Et puis de plus en plus, le signifiant puzzle envahit tout. Le puzzle de Hans se différencie radicalement du signifiant hors sens qui détermine la consistance de la chaîne, celui que savent évoquer Mallarmé avec l'optix, Carol avec le snark, voire Poe avec la lettre volée. Il s'agit d'un signifiant puzzle d'un tout autre ordre, puisque non seulement il parasite les autres, mais il possède en outre un signifié et un référent désignant des images découpées que Hans aimait reconstruire, partageant avec sa mère le goût de cette distraction. Au terme de sa nouvelle, Hans conçoit la fiction de langage réduit au seul mot « puzzle » qui contiendrait tous les sens possibles. La contamination signifiante qui se déploie dans le premier puzzle de Zurich n'est pas sans évoquer certains écrits de schizophrène. La mise en avant du signifiant puzzle suggère un primat de la lettre et un manque de connexion des images, souvent rapportés des phénomènes de morcellement, qui constituent des incidences cliniques de la carence de la signification phallique. En l'absence de cette dernière, Hans semble avoir l'intuition de la précarité de la fonction de communication du langage. Son texte est traversé par un humour caustique, voire par une certaine ironie, qui s'exerce surtout à l'encontre de l'Église et des autorités. Marx est une œuvre qui confirme pleinement la triple fonction de l'écrit pour le psychotique, tel que j'essaie de la déplier dans un travail précédent. Triple fonction, une jouissance s'y dépose, s'y chiffre et cherche à se vider. Hans s'examine en accommodant sur un objet scopique non extrait, de sorte qu'il ne discerne qu'une déchéance qui l'apparente toujours plus à une corneille morte. Corneille morte frappée par la malignité de l'autre jouisseur. La rédaction de l'histoire de sa maladie constitue l'activité principale de ces dernières années. C'est une création qui mobilise sa jouissance, la dépose en un produit et tente de la détourner du lymphome. Il la ressent à la fois comme une thérapeutique, cette écriture, et comme une nécessité. La seule chose que je puisse faire devant ce malheur, constate-t-il, c'est l'écrire, toujours et sans cesse.
Outre un travail inconsciemment tendu vers un bridage de la jouissance de l'autre, l'écriture de Hongs s'ancre dans un effort de chiffrage de celle-ci, visant à lui donner un sens. Or, le lymphome ne recèle aucune métaphore. Toute interrogation à son égard revient butée sur une concrétisation du regard. Il considère que sa vie et son travail ne lui apportaient que deux choses. En premier lieu, affirme-t-il, la clarté, la faculté de voir la catastrophe qu'est ma vie, de la comprendre et de ne plus me bercer d'illusions. Et en second lieu, la force de supporter la vérité de ce que je sais. Ma vie, c'est l'enfer, je le sais, et j'envisage ce fait sans manœuvre de camouflage. De son malheur, grâce à l'écriture, il parvient à tirer quelques bribes de jouissance scopique en chiffrant celle-ci, ce qui lui donne un sentiment de lucidité dont il éprouve une certaine consolation. Le bénéfice autothérapeutique du procédé peut paraître faible, mais pour le sujet, il est d'une grande importance psychique. Hong s'attachait en outre beaucoup d'importance à ce que le manuscrit de Mars soit publié. Non seulement son souci de la forme et du style en témoignait, mais il l'affirme peu de temps avant sa mort, se déclarant prêt à accepter le recours à un pseudonyme si cet artifice était nécessaire pour ne pas faire de tort à ses proches. D'autre part, fait assez inhabituel, son psychothérapeute crut bon d'intervenir auprès de l'éditeur afin de peser sur la décision de celui-ci en faveur d'une réponse positive. L'accord obtenu, il se chargea d'en apporter la nouvelle à son patient, à l'hôpital, la veille de sa mort. Tout indique que l'un et l'autre avaient mis quelque espoir thérapeutique dans la publication de cet écrit. Cela ne saurait surprendre. Il est fréquent que le psychotique cherche à témoigner de son tourment en faisant connaître au monde le manuscrit dans lequel il a tenté de chiffrer la jouissance dérégulée dont il souffre. Dans ces circonstances, la poubellication vise un vidage de la jouissance, c'est pourquoi un soulagement en est attendu. La castration symbolique n'étant pas intervenue pour produire un décollement salutaire, il s'agit d'essayer de faire advenir concrètement une séparation par l'entremise du livre. Hong se souligne la portée violente et agressive du processus d'expulsion inhérent à la rédaction de Mars, assimilée à un vomissement. Tant que je ne saurai pas délirer de ma misère, il me faudra la dire encore et encore et crier tout mon malheur, même s'il m'est impossible de jamais la vomir en entier. Ce n'est pas très joli, toute sa vie durant, de ne faire que vomir son passé non digéré, mais ne pas pouvoir vomir ce passé est encore pire. La sensation misérable qui précède le vomissement est toujours plus désagréable que le vomissement lui-même. Le vomissement, c'est quelque chose dans la publication. Au terme de son ouvrage, il se déclare en état de guerre totale contre le principe hostile qui le détruit. Il considère l'acte de publication comme une dénonciation d'une extrême violence portée à l'encontre des diverses incarnations de l'autre tout-puissant rendu responsable de son mal. L'âme tourmentée, écrit-il, ressent la nécessité de l'existence de Dieu. Il est l'adresse à laquelle on peut envoyer son accusation et où cette accusation doit parvenir. Il est le vase dans lequel l'homme doit déverser sa haine. À mesure que son mal empire et que l'issue fatale apparaît inéluctable, le propos de Hongs répond en miroir par une violence accrue à la violence supposée de l'autre jouisseur. Divers avatars immondes de celui-ci sont identifiés. Ses parents, la société bourgeoise, zurichoise et occidentale, Dieu lui-même. Hongs affirme qu'il refuse de pactiser avec ces derniers qui l'ont démoli, ce qui suggère de nouveau une carence de la fonction paternelle,
l'un des ressorts de celle-ci consistant à fonder, au-delà de toute image, l'établissement d'un pacte apaisant dans le rapport à l'autre. À l'opposé de cela, il lui vient des rêves et des visions lors desquelles il massacre sa mère, fait sauter le Crédit Suisse et lutte avec Dieu. J'ai beaucoup joué jadis avec l'idée de tuer ma mère, confie-t-il, et j'ai aussi beaucoup rêvé que je tuais ma mère. Sous l'aspect d'une vision, je me suis vu maintes et maintes fois précipiter ma mère dans l'escalier de la cave et ensuite cogner et cogner encore sa tête sanglante contre le sol de pierre jusqu'à ce que sa masse informe se dissolve dans une mare de sang. De même avec Dieu, une lutte à mort est engagée. Nous nous combattions mutuellement, relate-t-il, avec la même arme, à savoir tous deux avec le cancer. Dieu me frappe d'une maladie maligne et mortelle, mais d'autre part, il est lui-même l'organisme dans lequel j'incarne la cellule cancéreuse. Une telle vision met en image un rapport non médiatisé à l'autre, soumettant le sujet à des phénomènes spéculaires, dans lesquels il se situe tantôt comme celui qui est cancérisé par Dieu, tantôt comme celui qui dénonce un Dieu cancéreux. La publication tente à rompre cet accolement morbide en produisant une perte séparatrice. Il s'agit certes de se délester d'une jouissance envahissante en vomissant un objet particulièrement investi. Cependant, au niveau manifeste, Angst met plus encore l'accent sur la relation inverse dans le champ spéculaire. Par la violence de sa dénonciation de l'autre jouisseur, il vise à faire advenir la castration de ce dernier. Il se considère atteint d'un mal dont tout le monde souffre plus ou moins dans notre société actuelle. Aussi cherche-t-il à faire de sa mort un événement qui va porter préjudice à l'ordre de l'univers en permettant de délivrer un message subversif à l'égard de la société occidentale. « Je serai mort, écrit-il, d'une manière trop symptomatique de notre société pour qu'il ne faille pas aussi me considérer dans mon état posthume de démolition comme un déchet radioactif tout aussi symptomatique, à savoir un déchet radioactif dont on ne peut plus se débarrasser nulle part et qui contamine son environnement. J'affirme que le fait qu'on m'aura exterminé continuera à couver sous la cendre et finira par provoquer la ruine du monde même qui m'a exterminé. » Singulière évolution de cet être passif, sans désir, que le surgissement du lymphome transforme en un écrivain décidé à produire un brûlot destructeur contre la société occidentale, et même à appeler à la révolution. Le tourment que lui a infligé l'autre jouisseur, il le lui retourne sous forme d'un déchet radioactif. La mort le trouve en état de guerre totale. Il est la colère, d'où le pseudonyme de Zorn, et même il s'égale au dieu de la guerre, Mars, puisqu'il donne le nom de Mars à un travail dont il est le héros tragique. Quand il prophétise la ruine de la société occidentale, quand il dénonce les diverses incarnations du principe hostile, quand il leur déclare une guerre totale, les élaborations de Angst ne sont pas sans évoquer des thèmes paranoïaques. Le caractère convaincant de son témoignage ne doit pas détourner de concevoir que son texte participe d'un thème de revendication qui tente de remédier à la carence de la fonction protectrice du fantasme. Très grand, bien difficile de confirmer l'autodiagnostic de névrose. Il apparaît pas tant que Angst n'est ni hystérique, ni obsessionnel, ni phobique. Non seulement il ne présente quasiment aucun des symptômes de ces pathologies, mais de surcroît, j'espère l'avoir montré, en particulier en soulignant la carence du fantasme fondamental, le fonctionnement de son désir ne s'inscrit pas dans la logique de la névrose. On écartera en outre de toute évidence la perversion. En revanche, la convergence des données cliniques en faveur de la structure psychotique apparaît massive. Resterait peut-être à envisager ce que d'aucuns nomment le fonctionnement opératoire, situé par Marty, David et Demusan
au principe des troubles psychosomatiques, hein, fameuse école psychosomatique de Paris, du champ d'IPA. Il considère que ces troubles psychosomatiques résultent d'un déchaînement des forces pulsionnelles privées du véhicule des représentations, passant directement dans l'organe en le lésant. Les instincts de mort envahiraient un appareil mental dévitalisé. Or, si par certains aspects la dépression de Hanks s'apparente à la dépression essentielle qui ouvrirait la porte à la désorganisation progressive des fonctions somatiques, risquant d'acheminer le sujet vers la mort, en revanche, par ses traits majeurs, la dépression de Hanks apparaît nettement d'un tout autre ordre. La disparition des relations de rêve, l'indigence des représentations, la carence fantasmatique, le manque d'idées personnelles, l'absence de manifestations d'inconscient, tous ces phénomènes spécifiques de la pensée opératoire s'avèrent contredits point par point à la faveur du témoignage de Hanks. Ces thèses sont originales, la qualité du texte unanimement reconnue, les rêves relatés sont nombreux, enfin les visions articulées autour de la grande affligée, de la mort de la mère, de la destruction du Crédit Suisse, etc., attestent d'une riche activité fantasmatique, une fantasmatisation imaginaire. Mais bon. Qui plus est, selon Marty, la cessation des activités sublimatoires et spécialement des activités artistiques ne saurait manquer d'être notée chez les sujets opératoires, surtout lorsque celle-ci constitue une base professionnelle ou le principal des distractions. Or, on voit bien que les productions artistiques de Hanks furent nombreuses. Il fabriquait des marionnettes, des décors, des costumes, des puzzles, mettait en scène et jouait les rôles principaux de ses pièces de théâtre. Entre 1962 et 1974, alors qu'il était dépressif, il écrivit 11 pièces de théâtre et 10 récits. Travail de création qui ne fut nullement interrompu par la maladie somatique, mais plutôt exalté dans l'ordre de l'écrit. Si la dépression essentielle se révèle ouvertement avec le tarissement de la création, quelle qu'en soit la nature, encore que certaines productions besogneuses, répétitives et sans qualité puissent continuer à être exécutées, écrit Marty, eh bien il apparaît alors manifeste que l'écriture de Marx vient radicalement faire objection à considérer son auteur comme un opératoire. Lorsqueur il n'est pas sans pertinence de discerner avec Sami Ali une certaine dissociation de la dimension imaginaire dans le fonctionnement de Hanks, ni même de souligner avec Marty une carence de sa vie fantasmatique. Mais cette notation semble mieux située dans une clinique structurale qui distingue l'imaginaire du symbolique et du réel et qui fait une place à un fantasme fondamental. En particulier, l'hypothèse selon laquelle la carence de ce dernier constitue un facteur prédisposant à l'apparition du phénomène psychosomatique n'est pas sans quelques convergences avec les notations cliniques de Marty. Il constate chez ces sujets psychosomatiques une désorganisation foncière, un manque d'idées fondamentalement personnelles, une prévalence de l'instinct, entre guillemets, de mort, une expression directe de l'inconscient dans le somatique. Une manière, en effet, de désigner des phénomènes très semblables à ceux que nous avons mis en évidence dans le fonctionnement de Hanks. Nul doute que la carence du fantasme fondamental peut parfois avoir pour conséquence le mode de pensée dit opératoire. Nous en trouvons une indication à propos du cas de masochisme atypique rapporté par Demusan, quand celui-ci constate la pauvreté de la vie fantasmatique de ce sujet, parfaitement comparable, écrit-il, à celle que j'avais observée chez certains patients psychosomatiques. On se serait trompé, précise-t-il, Demusan, en cherchant dans des fantasmes le moteur de ce passage à l'acte, entre lesquels il menait une vie toute conventionnelle, régie par une morale très stricte. Si la notion de pensée opératoire décrit, comme je le suppose, une des manifestations possibles de la carence du fantasme fondamental, on ne sera pas surpris de constater d'une part qu'elle s'observe chez des sujets qui ne présentent pas de troubles psychosomatiques. Monsieur M, le cas de masochisme de Demusan, en est même remarquablement indemne de troubles psychosomatiques. D'autre part, que cette pensée opératoire peut être absente, comme l'atteste Hanks, chez les sujets pour lesquels les phénomènes psychosomatiques sont au premier plan.
La référence à la structure psychotique semble permettre une meilleure intelligence de ces données cliniques en montrant derrière leur apparente diversité un élément commun déterminant. Marty mésestime les potentialités créatrices du sujet de l'inconscient. Il étudie des malades, il met l'accent sur des désorganisations, il cherche des déficits. Dès lors, lui échappe tout un champ de la clinique psychosomatique, celui dans lequel le sujet est en mesure de mobiliser un travail psychique complexe pour tenter de remédier aux défaillances de sa structure. Lacan tente de saisir la spécificité du phénomène psychosomatique dans un chiffrage où le sujet cesse d'être représenté parce que la discontinuité signifiante fait défaut. Dès lors, le sujet se trouve en quelque sorte présenté, faute d'aphanisis, dans un corps considéré comme cartouche livrant le nom propre. N'ayant pas succombé au refoulement originaire, le signifiant unaire s'inscrirait directement sur le corps, produisant par là même une fixation de l'objet A. Les alternances entre psychose clinique et phénomène psychosomatique, les effets de sédation de ceux-ci sur certains délires, s'appréhendent immédiatement dans cette approche comme un processus de retour dans le corps d'une jouissance délocalisée qui n'est pas captée par le fantasme. Il n'est pas rare de rencontrer une alternance entre des douleurs somatiques et la recrudescence du délire ou le retour des hallucinations. Ainsi, un patient qui se plaignait de grandes souffrances provoquées par une arthrose au niveau cervical témoignait aussi de leur disparition lors de l'épisode délirant avec agitation motrice qui l'avait conduit à l'hôpital. Plus intéressante encore est l'observation suivante qui vient conforter notre hypothèse concernant Zorn en révélant nettement que le cancer peut constituer un obstacle au surgissement d'un délire. Des phénomènes psychosomatiques se sont déclarés chez une femme qui avait fait une analyse lorsqu'au bout de 5 ans, période requise pour que l'efficacité du traitement chirurgical d'une tumeur soit définitivement établie, on lui a annoncé qu'elle était guérie. Pendant 5 ans, cette tumeur avait constitué le pivot de son analyse, orientée vers la reconstitution de son histoire. Elle avait exploré les déterminants psychologiques qui avaient pu être à l'origine de la tumeur. Ce qu'a fait Zorn. Le mal, ce qui ne va pas, ce qui vaut du mal, était comme ramené dans cette zone cancéreuse du corps, dans cette notion ancrée dans le corps de la cause mauvaise. La tumeur localisait la cause, était libidinalement investie. Lorsque cet ancrage a cessé, suite au verdict médical énonçant l'absence de récidive, votre tumeur ne repoussera pas. Eh bien alors également a cessé la localisation, la limitation de la chose que la tumeur avait pour fonction de réaliser. La chose s'est mise à envahir l'environnement de la patiente et sa perception du monde. Elle s'est mise à entendre des voix qui la traitaient de salope, qui lui disent « tu mens ». Elle s'est sentie épiée. Les gens lui faisaient des signes qu'elle ne comprenait pas. Le kilométrage de sa voiture était modifié, etc. La cause s'était délocalisée et était devenue envahissante. De par le témoignage de Hank, les indications de Lacan sur le phénomène psychosomatique trouvent à s'éclairer. Non seulement du lieu du savoir, ça jouit d'une partie de son être, mais par surcroît, de son lymphome, Hanks fait une sorte de nom propre. Il constate que passe par celui-ci son assujettissement à un autre auquel il ne peut se dérober. Le carcinome présentifie le signifiant chargé de le représenter auprès des autres signifiants. Il s'agit d'un sceau porté sur son corps qui témoigne d'un échec de la métaphore subjective. Le couple signifiant primordial se trouve pris en masse dans le chiffrage spécifique de la jouissance réalisée par le phénomène psychosomatique. Dès lors, celui-ci ne constitue pas un symptôme dont le sens serait délivrable. C'est pourquoi Hanks n'a pas pu en produire un déchiffrage lors de sa psychothérapie. Son carcinome s'ancre dans une holophrase,
dans une conquête des nations signifiante qui se spécifie d'inclure le signifiant inner, de sorte qu'il porte à la création de sens dans l'après-coup de son surgissement. Par son truchement, Angst se donne un nom, apaise la délocalisation de la jouissance et fait œuvre littéraire. Il savait que Mars n'était pas seulement le dieu de la guerre, mais aussi celui de la force créatrice. Du partiel échec de ses efforts, nous reste un texte admirable, poignant et très clair sur certains comme il l'avait voulu lui-même. Bonjour, merci de votre patience.